Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Resident Evil 2. Alors, il faut que j'essaye d'aller là. J'ai pas essayé d'ouvrir cette porte, mais j'ai récupéré un grand rouage qui pourrait correspondre du coup à quelque chose qu'il faut là-bas. Le problème. C'est déjà qu'on a un copain qui arrive et qui a potentiellement un liqueur ici. Sachant que les deux vont être emmerdants. Ok, à première vue, pas de liqueur. Parce qu'ils sont... Il est pas dans la salle d'à côté. Mais ouais, non mais... Faut juste que j'aille en face. Putain. Parce que si je... Et ouais, non, mais il me bloque vraiment le passage. Si je tire une balle, il va aller là où ça a tiré, il va pas aller là où il y a eu l'impact. Il claque le... Mais je peux pas l'éclater! C'est un liqueur, c'est ma gueule. Peut-être moyen au moins de le blesser pour pouvoir passer, non? Je sais pas. Après... Le problème, c'est que la porte est juste là. Ils sentent pas les couilles! Oh non, ils sont plusieurs. Ah, je suis mort. Il y en a plusieurs, non? Ou ils s'étaient TP, j'ai pas compris. Je sais pas. Allez. Salut! 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 J'ai pas compris! J'ai pas compris! Ok, on a pris un raccourci, en gros. Oh my god. Je sais même pas si je l'ai touché du coup avec le stress. Pas de stress. Alors là, il y avait deux zombies, j'ai plus de soins sur moi, tout va bien. Le zombie qui m'a becqué alors qu'il y avait une plante verte à côté, et moi j'ai couru comme un débile vers la plante verte. Le gun est vraiment merdique dans ce jeu. Hein. Je pense que c'est fait exprès, mais... Putain de merde. La tête a pas explosé. Non. Putain. Il est mort là? Ah d'accord. Un petit... D'accord. Et lui il a pas... Il m'a gardé un couteau lui, non? Mais oui. On peut peut-être le récupérer. Allez hop. Mais wesh! Ok. Ça c'est moins cool. Putain non! J'étais arrivé! Putain de merde! Les salles de stockage c'est blindé de zombies. J'ai plus de soins. Je sais pas où je vais. J'ai plus de soins sur moi en tout cas. Projet de réparation, on a que ça à faire pendant qu'il y a l'autre qui te court après. En raison de la grande valeur culturelle, ouais d'accord. Sécuriser la cloche pour éviter un accident. Ah d'accord. Et donc je fais quoi? Ok. Je panique hein, du coup je fais n'importe quoi. Ok. Ça ouvre un truc. On le récupère au cas où, parce que oui, ça a l'air d'être encore utilisable. Ah ouais, d'accord. C'est pas le bon. Je blâme Sosomikolo. Mister T, ouais d'accord. Je sais pas pourquoi ça sent là.
l'embrouille ici. Non? Bonsoir. Poudre noire, grande quantité. Ok, d'accord. Ok, donc... Il me faut un autre engrenage, c'est ça? Je crois pas l'avoir le truc, hein. Y a pas moyen de non modifier le truc. Je sais pas. Je sais pas quel est le fuck. J'évite de courir, hein, c'est volontaire. Maintenant j'ai peur de toujours rameuter un truc. Donc il y a des trucs là, ok. Et donc je suis censé faire quoi exactement là? Petit rouage. Ok. Est-ce que je peux remettre un grand ici? Ok. Mais je vais mettre le petit en bas, c'est ça? Mais on peut pas le tuer, je crois. Salut Mélanie. Il est intuable, hein. Je crois qu'au pire, tu peux juste l'étourdir. Encore la fois, je l'ai tiré dessus. Genre, il a fait un pas en arrière. Peut-être si tu lui mets 4-5 balles, il va juste mettre un pied à terre et 3 secondes après, il va te recourir après. Ok. Et les cloches sonnent, sonnent. Je connais Michou. Je vois pas. Oui, donc c'est pour ça que le mec voulait mettre le truc en sécurité. Ok. Oh, la deuxième pièce. Yeah. J'espère ne pas avoir à écrire un rapport là-dessus. Si c'est bien de faire des blagues. C'est pas vraiment le... Voilà, quoi. Bref. Ah. Pour repartir, je sais pas ce qu'il y a de moins pire, en fait. La bibliothèque, je pense que c'est ce qu'il y a de moins pire. Examinons cette petite boîte. Non, c'est... Où est l'ouverture? Ah, elle est là. Du coup, on a les deux pièces. Ça veut dire qu'on peut aller... Oh, putain de merde. C'est la fin du commissariat, là, non? Parce qu'on a les deux composants. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il manque des trucs à droite, à gauche, mais... Là, par exemple, ce coffre, j'ai pas dû trouver la note. Là, j'y ai pas accès parce que ça doit être que avec Claire. Là, ouais, il manque des items à droite à gauche, mais ça va être tellement pas safe. Et je vais prendre tellement de dégâts à y aller que ça sert à rien. Parce que là, du coup, faut qu'on revienne ici. Qu'on remette les deux pièces là. On pourra ouvrir la cellule et récupérer le badge. Mais du coup, ça va ouvrir toutes les cellules. Et techniquement, on aura ce qu'il faut pour se barrer. J'ai bien utilisé le terme techniquement. Parce que. Voilà quoi. Alors, ça dépend où il est. Parce que là, il y a peut-être moyen de repasser en courant. Le problème, c'est que non, je suis passé comme un caca. Il y a un milliard de zombies. Alors que la bibliothèque, normalement, c'est un... Ça ira mieux. Par contre, ce qui est pas cool, c'est que justement, il se met là où je veux aller. Et merde, il est pas mort. Oh putain, l'autre il arrive. Mais reste pas au milieu, trou duc. Mets-toi d'un côté ou de l'autre. Putain de merde. Oh là là. Il faut que je fasse gaffe. Je sais pas. J'ai un gros doute. L'autre côté aurait été plus safe, putain. Voilà, c'est bon, c'est tout droit. Putain de merde. Quelle idée de laisser un zombie là devant la porte! Putain! Vous êtes vraiment des saligots.
bloquer. Bon bah tant pis pour ce coffre, hein. J'ai pas trouvé la note. Il est au-dessus, hein, il est pas devant moi. On sait jamais, il fait tellement de bruit, t'as l'impression qu'il est toujours collé à toi. Alors attends. Faut que je retourne au sous-sol. Comment j'ai fait ça, moi? Par là? Mais j'avais laissé des zombies aussi. Attends, c'était... Attends. Oui, c'est là. Faut que j'aille là. C'est ça? Faut que j'aille là, voilà. Ok. Ok. Bah, tu crois que je vais aller tuer le zombie pour récupérer le couteau, mais what the you-you? Eh ouais, je te traite de you-you. Qu'est-ce que tu vas faire, Shirley? Qu'est-ce que tu vas faire? Prendre. Ça, pour l'instant, on va pas le prendre. On a quelques balles. Je pense que je vais me refaire des cartouches, j'en sais rien. Là, niveau soin, ce qui manque, c'est que j'ai plus d'herbe rouge là. Crotte de wicket. J'ai mes méga mélanges là, mais. Protège contre le poison. Waouh! Putain. Je vais pas avoir le choix, je crois. I will not have the choice. On va essayer de pas prendre de dégâts, tout simplement. Sinoc dans les Goonies. Quoi? Alors attends, on a dit, ok. Mais il fait noir, c'est chiant. Oh mais il y a des zombies. Bonsoir. Pourquoi il n'y a pas la lumière ici? Alors je dois confondre, mais il me semble que j'avais vu une vidéo avec un mec qui avait de la lumière. Alors ça devait être une autre zone. Je cours plus, hein, parce que j'en ai marre. J'ai l'impression de me reposer quand je cours. Là, il y en avait un, il est où? Oh, mais il y a les deux mecs. Il y a les deux qui rampent. Là. Enfin, il y en a un qui bouffe et un qui rampe. Ok. T'es un petit peu mal placé. On va pas se mentir. Et même pas ça le tue. Non. Bah ripez les couteaux, hein. Allez, salut. Oh, putain. Non. Mais je suis déjà en orange. Maxou, il joue en difficile, il se fait bouffer deux fois, il est encore dans le vert. Mais niquez-vous le jeu. Niquez-vous. C'est pas normal. Oh non, mais... J'avais pas laissé des chiens là en plus. J'avais tracé, ça va être blindé de merde. Non, tiens, j'ai peur de ma propre épaule. S'il y a des chiens. Esquive la terre, raté, d'accord. Bah, repasse devant moi, bah oui. Je dirais rien. Oh, mais non, mais c'est une blague. Il y en a partout. Esquive. Wesh ma gueule. Ok, j'ai... Oh non. Non, c'est... Je suis un peu tendu. Cache pas. Donc là il va y avoir 1 milliard de zombies qui va sortir. Waouh.
Le panneau est là-bas. On se fait le bâton. Ouais, d'accord. Mais tout va s'ouvrir. Alors, est-ce que... Nick, est-ce que... Comment je fais pour passer? Une grenade? Je sais pas. On tentera la grenade... Oh, putain de merde. Mais je suis sûr qu'il y a des trucs à récupérer dans les cellules. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez un peu de stuff? Bon, celle-là, elle va pas s'ouvrir en face. C'est là, là. Techniquement, je pourrais les tuer avant, mais ça va me cramer toutes mes balles, quoi. Je suis même pas sûr qu'il y ait des items, en fait. Putain. Nine. Nine. Mais faut que ça arrive par là. On est d'accord. Ok, on n'est pas d'accord. Ok, autant pour moi. C'est pas bon? Ah d'accord. Resident Evil 2. Oui, oui, mais cela n'explique pas les rumeurs qui courent sur l'orphelinat. Et le fait qu'Umbrella fasse partie des bienfaiteurs ne peut pas être qu'une simple coïncidence. Je croyais que cet entretien portait sur la nouvelle bourse d'études mise en place par Umbrella. Ah, allez, tout le monde s'en fiche de ça. Les gens veulent en savoir plus sur le virus G. Où avez-vous sur ce putain de gouffre dans la ville qui, d'après la rumeur, mène tout droit vers votre labo souterrain. Alors, est-ce que vous allez m'en dire plus ou est-ce que vous... Cet entretien est terminé. Connasse. Ok, bon, c'est... Ok, attendez. Connasse, oui, c'est parfait pour conclure. On va boire un petit peu d'eau. Parce que là, du coup, il y a une manivelle, là, donc je sais pas si tout a été ouvert ou pas. Putain, mais ouais, mais... Qu'est-ce qu'il cherche? Note de Ben. Le commissariat est infesté de monstres. Même si je peux entendre leurs gémissements. Oui, même ici, pardon. Mais ce n'est pas des zombies. Nom de code tyran. L'arme biologique ultime, développée dans le plus grand secret par ces enfoirés. Donc c'est ça, monsieur X, là, c'est le... C'est ça, là, le tyran. Ça, ça craint. Non. Ça fait quoi ça? Ah merde. D'accord. J'ai gaspillé une grenade. Mais c'est pas vrai. J'aurais dû la garder. J'aurais dû la garder. J'aurais dû la garder. Ok.
Non, 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 non. Mais ouais, mais... Putain, bande de salauds. Mais cours! Ah, je vais faire une petite pause. J'aurais dû jeter une vraie grenade, en fait. Hein. Ouais, d'accord. Claire, Ada, qui est-ce? C'est Ada. Ada, ça commence à bien faire. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça, on compte les points? Écoute, ce n'est pas un jeu. Oh, c'est une blague. Rien ne meurt ici, tu comprends? J'imagine que tu as la carte. Et ça. J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fiche en camp d'ici. C'est une bonne idée, hein. Reste avec moi, Ada, protège-moi. S'il te plaît. Et si on ouvrait la grille? Donc là, c'est un point de non-retour, je crois. Mais du coup, j'ai loupé 2-3 items, mais... On va pas revenir dans cet enfer. Pluie incessante. Parler à Ada. Ça, c'est de l'objectif. L'orage de ses lunettes de soleil, wesh. Pour vous, le mec est jaloux. Ouais, d'accord. Tu as ce que tu voulais? Malheureusement, non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Putain, je sais. Non, y a rien à ramasser, ok. On va où là, madame? Gun. Mais qu'est-ce que... Il y a un magasin de pistolets là, on peut pas faire un petit détour? Putain, au moins on va prendre des balles. Plus de route. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. Ah. C'est vraiment dommage. Ouais, d'accord. Ça a été dévalisé de toute façon, non? Putain. Alors du coup le fusil à pompe va prendre deux places avec ça, non? Une dispersion réduite, ça veut dire que c'est plus concentré. Mais il prend deux places. J'ai peut-être enlevé le magnum du coup pour compenser. Y'a pas des balles? Donne-moi des balles. Mais 4 balles, mais d'où tu trouves que 4 balles? Ada? Qu'est-ce que tu regardes, Ada? What are you looking for? Bouge pas. Je veux pas vous faire de mal. J'ai dit, bouge pas! Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore? Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non! Arrêtez! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer. C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada.
Laisse-les tranquilles. Emma? Ma puce, je t'ai dit de rester au lit. Ah. Oui, c'est papa. Ah, mais la moitié... What? D'accord. Ces saloperies dehors. Regardez ce qu'ils nous ont fait. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé? Hein? C'était notre petit ange. Maman fait dodo, ma puce. D'accord? Et je vais bientôt te mettre au lit aussi. D'accord? Emma. Ou alors il se transforme progressivement? Je sais pas, c'est bizarre. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Et pourquoi lui? Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Pas sûr qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Compte sur moi. Reste avec moi. Tu connais Umbrella, n'est-ce pas? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Je connais aussi Umbrella. La chanson de... Ouais, d'accord. Rihanna. Voilà pourquoi je cherche Annette Birkin. On sait que c'est elle, Umbrella, qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Alors, Birkin, ça me dit un truc. C'est un nom que je connais, mais alors je resitue pas. Mais meuf, t'es en talon. What the fuck? Ouais, d'accord, Lynn. Passons par là pour retrouver Annette. Si ce que tu as dit est vrai. Le lieu est approprié. Tu l'as dit. Après toi. Waouh. Merci. Nous allons éviter le sprint. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans la maison, cousin. Umbrella contrôle Raccoon City depuis des années. Oh, oh, je te déteste. Le mec utilise les égouts, avec un smiley de type... Je suis une petite pupute, je m'appelle Lucas. Il y avait un item? Madame, j'ai loupé un item. Je vais peut-être faire un petit... Wow. C'est un tremblement de terre. J'aimerais tellement que ce soit ça. C'est encore l'autre cacamou là. Au revoir. Putain. J'ai rien dit pour vous. Quel fake. Ok. On a tout ramassé. Chérie, ah oui! C'est la blonde! Ah!
celle qui est avec Jake. Oui, oui, oui. Ok, c'est pour ça que le monde parle. C'est quoi ça? Fais attention, sans déconner. Putain de merde. Alors je sais pas pourquoi dans Resident Evil il a toujours aimé les gros crocos, requins, tout ce que tu veux, les trucs aquatiques qui te dévorent. Resident Evil 2 je crois pas l'avoir fini à l'époque. Hein. Vraiment. Le 1 ouais, le 3 j'y ai jamais joué, et le 4 etc après oui, mais les premiers non. Alors ça pour l'instant on va le déposer, c'est surtout histoire d'avoir de la place. Là on a quelques cartouches d'avance. Il me faut des herbes rouges. Et je pense qu'on va couper là. Là, 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 là. Pour qu'il rache toujours des lunettes de Madame Ada. Mais elle a le swag. Elle a le swag à l'américaine. Il va rageux. Avec Claire, c'est différent. Oui, parce que je sais pas si Claire, elle croise Ada. Je sais pas. Parce que je sais que Ada et Léon, ils sont un peu liés, mais du coup, Claire, je sais pas. Ok. Bah, on sait pas, Hardcore Gamer. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, je vous dis bah, merci d'avoir regardé. Et puis, bah, à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao.